Salut tout le monde, c'est Batem Vatin. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur Call of Duty Black Ops 2 et on va tester le pack de map Uprising. Donc je viens juste de le télécharger, les gars, et ça va être la toute première map. Et c'est la map s'appelle Encore. J'ai lancé un petit match à mort par équipe parce que en fait, j'ai qu'une heure de pause. Je suis rentré, j'ai commencé à télécharger le pack. Le pack s'est téléchargé assez rapidement. Et là, on va dire qu'il me reste plus énormément de temps. Je reprends à 15. Enfin, je pars à 15 et là il est 52 précisément. Donc je vais essayer de faire une petite partie quand même sur ce pack. Et ensuite j'irai faire le rendu directement et peut-être que j'aurai le temps de commencer l'upload. Tiens, la map elle a l'air vraiment petite vu que les ennemis sont déjà là. Elle me fait penser un peu à une map. Oh la vache! Ah, carrément! Oula, alors je vous avoue que je suis paumé, les gars. Là, je vois qu'il y a des ennemis qui sont quand même à gauche dans les gradins. Ah ouais, ça risque d'être une belle map sniper, ça. J'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal de petits spots. Et on va essayer de faire une petite partie. Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai mis drone de brouillage et microsas orbital. C'est des keystrikes qui servent à faire des points, plus précisément. Et à gagner facilement la partie. Après, ça dépend si vous arrivez à les débloquer ou pas. Et vu que je connais pas la map, je suis pas sûr que je vais réussir à les débloquer. Après, on va voir comment ça va donner. Pour le moment, franchement, cette map fait penser comment elle s'appelle. Drone en approche. La map, ouais, c'est Stadium dans Black Ops. Elle me fait penser un peu à Stadium. Et ouais, ça va. Elle a pas l'air non plus super grande. Après, bon, j'ai pas tout regardé, je vais essayer de faire un peu les détours histoire de tout visiter. Je vais pas. Mon but, c'est pas non plus de faire que des kills. Je vais vraiment essayer de montrer toute la map. Donc, alors, attention, il y a un ennemi qui est par là. Alors, vu que c'est de la MME, je sais pas vraiment où vont la plupart du temps les ennemis. C'est la première fois que je joue sur cette map. Et c'est aussi la première partie de la journée vu que bah, j'étais en cours et je suis revenu. Alors, attendez, j'allais me faire détruire par la clé mort. Ok, bah là je crois que j'ai fait un bon petit tour de la map, j'ai un peu tout montré. On va repasser par le centre. Oh, attendez, il se fait tirer dessus lui. Alors, je t'ai vu toi, tu vas essayer de... Bon, on va essayer de se mettre à couvert. Un petit passage. Ouais, c'est pas mal, comme ça permet d'aller de l'autre côté de la map rapidement. Y'a pas un petit escalier ou un truc du genre pour... Ok. Ça se débrouille plutôt pas mal. Alors attendez, on va essayer de lancer les keystrikes comme ça. Ça va nous permettre de continuer notre série. Oh la vache. Désolé, je suis un peu concentré, je veux pas détruire ma bonne série. Donc désolé, ouais franchement la map elle est plutôt jolie. Après j'attends de voir les autres maps. En tout cas celle-là, comme j'ai dit au début de la vidéo, je pense que le sniper ça va être plutôt pas mal au niveau du middle. On va pouvoir taper des petites kill feed assez sympathiques. Alors là, je suis dans la merde, j'ai plus d'armes. Ah non, je veux pas ça moi. Je vais prendre la petite Peacekeeper. Hein. On y va. Ok, toi je t'ai vu. Allez, sors. Sors. Ça va arriver derrière moi. Hop là, on a la petite micro. Allez, c'est parti. Ouh, trois ennemis qui se présentent. C'est pour moi. Oui. Ah, il y en a un qui rage en face. Allez, on va prendre ça. Un petit coup de snipe pour terminer la partie. Drone en attente. Oh vache. Ah putain, je me suis fait descendre. 14-2, ça va, on se débrouille plutôt pas mal là sur cette partie. Je sens que cette map, je vais bien l'aimer. Donc ouais, pour le moment, le multi, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus. C'est vraiment le zombie, le mob of the dead. Là, j'ai vu le trailer il y a pas si longtemps, il y a peut-être 2-3 jours. Et il me semble que c'est une map transit. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir se balader... dans la map, un peu comme... Oh là 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 là. Un peu comme...
comme la toute première map transit avec le diner, tout ça. Sauf que là, je crois que ça va être différent. J'ai vu qu'il y avait un avion carrément. Donc là, ça a l'air plutôt intéressant. Et donc tout à l'heure, quand je vais rentrer des cours, il sera 3 h. Et pour les personnes qui ne sont pas au courant, parce que j'avais commencé à faire un live la dernière fois, un petit test pour savoir si ma connexion suivait. Et bon, ça suit pas énormément, mais je vais essayer d'améliorer ça pour le live. Et donc je vais faire ce petit live à 3 h, 3 h 15, 3 h 20, le temps que je me prépare tout ça. Je vais commencer un petit live sur la map zombie. Et donc bah, si vous êtes intéressé, bah, enfin si vous êtes intéressé, je dis ça, mais ça se trouve cette vidéo-là sera pas upload avant. Je vais voir. En fait, j'explique. Je vais essayer d'upload la vidéo pendant que je serai en cours. Alors peut-être qu'elle sera uploadée avant le live. Donc si vous avez l'occasion de voir cette vidéo, parce que c'est pas sûr, si vous avez l'occasion de voir cette vidéo avant 3 h, 3 h 30, bah, sachez qu'il y aura un live bah, 3 h 30 qui sera sur la carte Mob of the Dead. Mais il est possible que cette vidéo apparaît après le zombie. Donc si vous regardez cette vidéo, allez voir sur ma chaîne, il y a peut-être la vidéo sur Mob of the Dead. Donc là, franchement, c'est vraiment de. Je fais ça vraiment en mode barbare, parce que je vous avoue que s'organiser quand il y a un pack de map qui sort alors qu'on est en cours, c'est un peu compliqué. Moi, ouais, j'ai pas fait un très très gros carnage. Je vois que je me suis fait un peu démonter sur la fin. Je suis du 19-7 à N94. Donc voilà, bon, on a gagné la partie. C'est pas une partie exceptionnelle. C'est ma toute première partie sur cette map en live. Donc je vais essayer de vous upload ça tout de suite. Il est pile 13, ouais, 13 h. Et je pars à 15. Donc je vais essayer de faire le rendu et de l'upload directement par la suite. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis bah moi je vous dis à tout à l'heure pour le petit live. Allez, à plus!